Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Salut, c'est Yvassin Studio pour du Dofus. Voilà. Attends, parce que les gens vont pas comprendre. C'est juste que, bon, pour vous montrer à peu près, alors attends, j'enlève l'arbre de quête. Si on est quasiment, bon, je sais pas pourquoi t'es orange toi Guillaume, c'est bizarre. Hein. Bon bref, si Guillaume est normalement rouge et moi aussi, c'est parce qu'on a fait des almanachs pendant qu'on streamait pas. Et j'ai pris deux debuffs sympas. J'en ai un, c'est en fait, ben on est tout rouge. Et l'autre, ben quand je parle sur le chat, ben c'est remplacé par des lettres qui font. D'où voici les petits tests juste là. C'est comme quand vous portez un masque quand vous allez demander du pain à la boulangère et qu'elle ne comprend pas. Mais il y a un vrai équipement sur ce jeu qui ressemble à un pot, mais je sais plus comment il s'appelle, que t'as sur la tête, et en fait, à chaque fois que tu parles, c'est ça. Et mais je crois qu'il s'appelle le non? D'accord. Oui, je crois. Ouais, moi, ouais, je crois que c'était ça. Dans mes souvenirs, c'est le Et je trouve ça très beau. Hein. Donc voilà. Alors attends. Avant que je me prépare vite fait, j'ai de l'eau, du café. Mon post-it avec les blagues, il est où? Je sais pas. Et moi aussi, j'ai une petite surprise. Bon, ah, il est là. Au planning aujourd'hui, on va faire un donjon pour suivre les quêtes Sidi Mott, c'est ça? Oui. Ok, ouais. Donc j'ai bien révisé. Et on va faire le meilleur donjon du monde. Bon, non, c'est peut-être pas le meilleur donjon du monde. Mais le boss est assez charismatique. On va dire ça comme ça. j'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Merde, attends. Qu'est-ce que t'as trouvé? Le Aïe. Ah oui, là. Ouais, c'est bien ça. Ça change les paroles, on adore. Si t'arrives à comprendre la description, bravo. Il y a écrit en traduction « Déposer ce chapeau sur un autre chapeau déjà équipé pour lui transmettre son apparence. » C'est vrai. Non, je pense pas que ce soit la... La vraie description ? La description. Ça serait très très dur en fait. Parce que si par exemple je fais A, tu vois, juste A, ça fait M. Mais si je fais B, eh ben ça refait M. Donc ça peut être n'importe quoi. A, B, C. Fais un mot complet. Complet. C, O, M, P, L, E, T. Je vous aime les amis. Ah ouais, ça correspond au nombre de lettres. Ah ouais. Oui. C'est ça. En trois briques. Non, c'est pas le même jeu. COMPLET. Bon, est-ce qu'on est parti au lieu de faire les Pépita. Ah non, attendez, j'ai un truc avant. Donc ça, j'ai droit de le dire, mais ce soir, on a commandé chinois. Et j'ai dans mes mains un cookie de la fortune. Oh. Et je vais l'ouvrir. Et si la prédiction est mauvaise, on va passer un sale stream. Et si la prédiction est bonne, nous allons passer un bon stream. Et en plus de ça, je vous fais l'ASMR du craquement du cookie. Vous êtes prêts? Allez, je parle pas. Ah, oh. Ça fait cringe. Alors voilà, je sors le petit papier. Je pense que vu ce qui s'est passé avant le stream, ça va. Ah, ben, le succès sur votre chemin en août. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Merde. En août 2021. Il y a bien écrit en août ou en doute? Non, en août. Jamais, hein. Voilà, comme ça au moins ça nous ferait un clip prédiction. Allez. Donc en fait, il faut qu'on fasse des succès, c'est ça? Non, il est con. Bon, rendez-vous où? En terre inconnue. Okay. Faites la quête l'ermite, donc il faut ramener à Magic. Hermitus. Mais on l'a la quête? Normalement, on l'a, oui. Oui. C'est ramener à Magic Hermitus une cervelle de 12 ans, on sort, bah. Oui. C'est l'air comme le grand air et mythe comme. Marché. Comme une grosse mythe. Non, comme. Une histoire. Ah, mais si, t'es vraiment orange, hein, enfin. Excuse-moi, bah, écoute, hein. J'aime bien les agrumes, j'ai le même fond de teint que Donald Trump. Je n'ai pas de fond de teint, je préfère le préciser au cas où. Trop tard. You are a drag queen. Non, je ne fais pas assez de drama pour ça. Voilà ça. Bref,
On est parti. Go, allez, on y va là. On a tous la quête de l'ermite et on y va. Pourquoi toi t'as un bœuf avec des étoiles bleues? Je te dis, c'est le. Ah. Voilà. Mais ça, tu l'as eu où? Mais en me trompant dans sur un comment ça s'appelle sur un méride. Quand on fait de l'almanach, tu parlais un méride et si et c'était un où il y avait des choix. J'ai pas lu, oui. J'ai fait le gros con et maintenant moi, j'ai pas lu. Et d'accord, donc c'est pour ça que je suis orange. L'autre rouge, je l'ai à côté, ouais. Ah peut-être. Donc ok, d'accord. Voilà. C'est le mérite de quoi? Le. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Moi, la description du orangé, c'est vous avez encore ingéré quelque chose sans savoir ce que c'était. Ah non, ça c'est autre chose. Alors c'est pas un mérite. Ah bon? Bah ça veut dire que t'as mangé un truc dans ton équipement, enfin dans ton équipement. T'as pris, je sais pas, le cocktail Esteval ou je ne sais rien. Et... Ça, moi, tu sais, quand je fais l'almanach, je clique, je cherche pas oui, à comprendre. Je comprends bien. Sauf quand il faut faire des choix et que tu te trompes et que le truc se valide pas, et tu te dis, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais. Bon, on a ramené la cervelle. Hein ouais. Tout le monde a ramené la cervelle? Ben non. Attends, non. Mais il faut aller où? Oh non. Bon, au bord de la plage. Le zap. Lampe de Sidimo. C'est lequel des Sidimotes? Il y en a qu'un. Moi j'ai route de terre roulotte, des roulottes ou terre des sacrés. Route des roulottes. Oui, route des roulottes. Au pire, utilise ta DD. Et après, tu utilises le voyage. C'est là où il y a. Attends, c'est où? Qu'est-ce que t'es allé faire en terre des sacrés? C'est en. Moins 29, 3. Il faisait les succès de. D'exploration. Bah, dis donc. Bah, écoute, hein. Au moins 29. Ah, c'est... Oh, mais c'est méga loin. Oui. 3. Voyager. Non, j'ai envie de manger mon cookie. Bon, ben, en attendant, si t'as voyagé... Au-dessus des vieux volcans... Au-delà des tempêtes, et tu vas. Voyage. Oh non, faut retourner voir Chourave. Oh, merci. Pierre vous propose de vous téléporter. Oui. Non, pas maintenant. Pour le retour après la cervelle, après la cervelle. Ah! J'ai cliqué ou pas? Oh. Non. Oh, non, mais je suis déjà moi. Comme ça, on sort. Et on relance la quête après, partir en quête de compagnon. Je tiens juste à dire qu'il m'a fallu une seule phrase pour voyage, quoi. Bah, c'est le début, hein. Ouais, mais bon. Il y en a qui n'ont pas la référence. Alors, je suis devant Magic Hermitus. Tu lui parles pour lui donner la cervelle et il va te dire de retourner voir Chourave. Ah, mais il fallait un truc. Bah, t'avais pas la cervelle ? Il est normalement là. Oh, on l'a fait là. Semaine. Attends, parce que moi je lui parle, mais ça fait que dalle. C'est quoi ta quête, l'ermite ? Elle te demande de faire quoi ? Que j'ai la quête, l'ermite. Elle s'appelle l'ermite, la quête ? Oui, l'air, comme l'air, le grand air, et mythe, comme la grosse mythe ultime. Non, je cherchais. Non, pas du tout. Comme la mythologie, tu vois. L'ermite. Allez voir machin. Tout ce... Alors, juste pour rappel, ça fait un moment hein, qu'on n'a pas stream sur du Dofus. Quand c'est coché gris, ça veut dire que c'est bon ? Oui, c'est déjà fait, oui. Va à la dernière ligne. Toute la dernière ligne. Allez voir Chourave, mais c'est coché aussi. Vous devez convaincre Magic Machin de soutenir Chourave. Ça, c'est retour aux sources. Attends. Donc, il y a une autre quête qui s'appelle Retour aux sources. Il y a Retour aux sources, mais ça, on va le faire juste après. Et là, on est sur l'ermite et c'est aller voir Chourave. C'est validé, aller voir Chourave, toi ? Bah, ouais. Et quand je fais Retour aux sources, il y a tout qui est coché gris devant. Oui, sauf convaincre Magic Hermitus. Bah, c'est couché aussi.
Ok, bon, bah, on avance. Tu les as fini alors, les quêtes? Bah oui, mais pourquoi je les ai dans l'inventaire, alors? Est-ce que en bas, t'as écrit « Afficher les quêtes terminées » En bas de ta page de quête? Non, c'est pas coché. Mais j'ai tapé dans la recherche, en fait. Ah, c'est pour ça. Ok, alors, attends, bah, en fait, t'as fini. Je regarde dans mes quêtes tout court. Est-ce que tu as lancé la quête « La Grande Parade » Je cherche. Il faut reparler à Shurav? Attends, je sais pas. Oui, oui. Sinon, on va tenter succès. Amélie. Alors, la grande parade, oui. Ok. Tu l'as lancée? Oui. Ok, bah, c'est cool. C'était dans l'enquête principale. T'avais, on va dire, deux dialogues de plus que nous, mais c'est pas grave, t'as d'accord, mieux. Ok. Donc bon, je peux cliquer sur accepter. Point. Oui, clique sur accepter. Et on va pouvoir rentrer dans... Oh, est-ce que tout le monde a la grande parade, découvrir la carte représentation de Chouzini? Oui. 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 Ah, il l'a dit. Allez, on fait le donjon alors. Hey, papa. Bon, t'es à 3 cases. On utilise le trousseau de clés. J'ai peut-être perdu mon trousseau de clés, moi, depuis le temps. Ce sera très drôle. C'est la première fois que je fais ce donjon, je suis trop content. Ça va, ça peut faire un échange. C'est très joli, en tout cas. Bah, c'est du cirque. Ça doit être pour ça. Que ça te plaît. Ouais. tu m'as donné des choses que je suppose que je vais devoir changer dans mon inventaire. J'ai là, pourquoi j'ai oui. Inventaire. J'ai alors, okay. Maintenant. Je change quoi par quoi? Tu mets le miraculé à la place du miraculé mineur. Ah mais oui, les formes se ressemblent. Ah oh, oui, ça sera sympa. En fait, tu mets l'argent à la place du bronze, si tu préfères. Tu mets le chanceux à la place du chanceux mineur. Ouais. Et le remueur à la place de quoi? Parce que ça a l'air d'être un mug isotherme, mais là, je le remplace par quoi? Un mug isotherme. Non, mais c'est un... Comment ça s'appelle? Une cruche. Un shaker de bar, quoi. Oh, putain, mec, il est con. Un shaker. Ah bah oui, mais c'est un shaker complètement, vu que c'est le remueur. Oui, voilà, ouais. Ah, c'est un shaker. Bon, bref, je le remplace par quoi. Tu peux le mettre à la place de l'observateur, si tu veux. De l'observateur, d'accord. Le nouvel Ops. Mais mets ton Dofus Kawat à la place du puissant mineur. Ouais, comme ça au moins tu auras de l'expérience. Il est où le Dofus? Il est... Ok, et est-ce que je te donne puissant mineur, observateur? On verra plus tard. Je te donne tout. Toutes mes différences. Ces défauts qui sont autant de chances. C'est con parce que ça, normalement, enfin... Il y a pas, on n'a pas le droit d'avoir des droits pour ça, mais vu qu'on le fait nous à la voix, rien qu'à la voix, on s'en fout. C'est vrai? Oui. On va passer notre vie à tout chanter, en fait. Allez, c'est parti. J'ai signé. Terre, brûlé. Non, pas ça là. Au vent. Non, non, pas ça là, je la déteste. D'accord. Crème, brûlé. Ça là, je préfère. Crème, brûlé, à la vanille. C'est nul. Ouais. Le sucre cristallise. Droite, droite. Milieu à droite. Ah, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué. Non. non. On va en chier. On fait des dégâts, je sais plus. Moi non. Moi non. Et le gars il fonce dans les ennemis. Après, il te dira oui, perso, il sert à rien, j'en ai marre. Nanana. Ah, ça commence. Il a pris le petit vélo. Et j'ai visé à côté. Ça me fatigue déjà, ce jeu. Est-ce qu'on fait des challenges ici? Non. Non, ils sont trop difficiles, ceux-là. Ah bon? Ah oui, on est sur... Là, on est vraiment sur du top niveau, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on voit le pourcentage qu'ils te donnent, c'est qu'ils sont plutôt difficiles. Ah, 105, d'accord. C'est beaucoup. Et elle a fait des trucs, elle fait frouche, frouche. C'est beau. Ouais. Waouh.
elle lance chaudasse. Elle a enlevé toute la portée de... bleu, hein. Oui, voilà. Pas grave. Hey, hey, ya. On a le droit. Hey, ya. 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 Merci. On peut faire du Enya aussi. Non. C'est bien Enya. Bah, tu voulais qu'on fasse du Enya. Mais j'aime bien Enya, moi. Qu'est-ce que t'as en train de faire, quoi? C'est moi, je rigole à ça en plus, quoi. Ah, c'est très drôle. Non, mon tofu. En vrai, je sais même plus comment on joue mon personnage. Oui. Vu que dernièrement, je joue Sadida, je sais même plus comment on fait. Je suis perdu. Après, normalement, j'ai Plumeau niveau 2, là. Je suis censé faire des gros dégâts. Nul. J'ai pété les chevilles. Arrête. C'est très très bien. Allez, le petit vélo. Au revoir Yves, à tout à l'heure. Alors lui, si je peux lui faire manger toute sa famille. Et puis après je fais ça. Et après ça. Et après, je vais tacler ces deux-là, regarde, genre, oh, pouf, tacler. T'as le droit de taper le bouffe tout, ça me dérange pas. Pour faire une croix. Ok. Et paf. Ouais, mais la pyrolienne, elle a 56% de résistance feu. Pyrolienne. Ouais, mais le graboule... Ouais, le graboule aussi, en fait, c'est de la merde. Vas-y, viens là-bas. Ah. Oh. Allez, va te ranger là, voilà. Ha! Tu vois, je l'ai taclé. Je suis trop fort. Ouais, le graboule, moi je peux pas le taper. Par contre, je vais Jacques mettre... il va zound. Il va là. Lui mettre une tarte. Je genre, vais... voilà, péter les chevilles. Là. Là. Et ça. Non, j'ai visé à côté. Eh, bienvenue au club. Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, on a des excuses. Ah oui, complètement. Puis sinon, ça vous fait pas rire donc. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait de Dofus ensemble. Ouais, mais en même temps, les vacances, le ci, le ça, c'était complicado. Hein. Ah mais ouais, ça... Sans dévoiler, moi j'ai eu énormément de travail, voilà. Ça arrive. Ouais, mais je regardais l'agenda que je suis fait pour oui. Faire les choses en retard déjà d'une. Mm-hmm. Et des choses à anticiper pour la rentrée... au sein d'Ivasonde et compagnie. D'Ivasonde Oui, j'ai fait exprès. Mm. Et en fait, ouais, il y a masse de choses à faire. Vraiment. Donc, si vous voulez faire des dons sur Hello Asso, vous pouvez, la rentrée approche, et donc on va devoir... Il y a OVH qui va facturer le renouvellement des noms de domaine, de l'hébergement, tout ça. Donc faites des dons. Oui, c'est très surprenant. Je suis surpris par ma capacité à tuer les gens. Moi en vrai, attends. Ah, j'ai le sabre Yonara. Genre, ya! C'était nul, hein. En même temps, il. Putain, mais il a tellement de résistance. Attends, si je lui fais l'onde aquatique, ça lui fait mal. On va dire oui, mais juste pour lui faire plaisir, quoi. Attends, je vais peut-être le tuer. Bah, tu l'as mouillé, quoi. Je me suis trompé. Mais je sais plus comment on joue, moi. Ah mais je comprends pourquoi je fais aucun dégât. Attends, regarde. Voilà, je suis un... J'ai bouffe tout aspirateur. Moins 600 en puissance. T'as moins 600 en puissance. Attends, mais je joue lequel, là? Je joue lequel? Non, mais je sais plus sur quel tofu j'étais. C'est bon, je m'y retrouve. Oh, j'ai pas été téléporté, quel dommage. Il y en a, il attendait que ça.
Alors que ça. Eh ouais, il craint pas l'eau, donc c'est dommage. Bluff. Oh, dommage. Ouais. Il n'a pas été assez bluffé par ta performance. C'est ça. Oh, oh. Elle est drôle. Ouais, c'était que la première pièce, hein, mais putain. On va en chier. Oh là là. Il faut absolument qu'on fasse un châle. Tu fasses dans le vide. Hein, parce que les bons auteurs, ils sont pas dehors. Trop bien. Ouais, ça te rappelle de bons souvenirs. Oui, bah oui, au final, oui. C'est alors, j'en refasse juste pour ne pour pas rester refaire. Sur un échec. Ah ta gueule. J'en repasse pour ne pas rester sur un échec. On a un message de Draken qui nous dit « La roue enlève des PO et de la puissance, donc ce serait bien que vous la focussiez, vous êtes vraiment des brels. » D'accord, voilà ok. Voilà ce qu'il vient de dire. Enfin, moi, après... Je sais pas si c'est votre ami ou pas, mais putain, je suis à Babelwood les bains. Heureusement, j'ai de la portée. Ouais, la roue, c'est roue couteau, ouais, c'est ça là. Ouais, c'est roue couteau Noken. Mais non, te mets pas là, tu vas servir à rien. C'est pas déjà le cas, lol. Oh, mais c'est quoi cette map? Ah, mais tu peux pas te déplacer au final si t'es sur les plateformes. T'as tout compris. Si. Le beau auteur, il te TP. Ah ouais? D'accord. Ah. Il te saute dessus, mais il te TP. Ah bah, je peux aller là, non? Oh, si tu veux. Ils vont tous se barrer, tu vas te retrouver tout seul, tu vas pleurer. Y'a Draken, il dit à qui point arrête de dire des bêtises, arrête vraiment. De dire des bêtises. Sinon, je viens avec les feux d'artifice. Après, moi je t'ai dit, tu peux, mais tu vas faire bugger tout le stream. Attends, pourquoi j'ai pas compris. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a trouvé plein de feux d'artifice dans une poubelle. Et donc, d'accord. À chaque fois, moi, que ça soit maintenant, que ça soit cet ordi, que ça soit un autre. Ça me fait exploser le graphisme, donc je tombe à 2 FPS. Donc si vous voulez avoir du stream à 2 FPS, y a pas de souci. Non. Ah, chais Draken, chais. On va éviter. Et en plus, c'est toi qui t'occupe du montage un petit peu derrière, Draken, donc ça serait dommage de travailler sur quelque chose de mauvaise qualité. Non, mais il peut rajouter une vieille musique avec de l'accordéon pendant qu'il fait ça, en mode troll, et puis voilà, quoi. Oh, le salaud. Il pourrait. Ah là, j'ai plus de portée, ça y est. Les musiques accordéon libres de droit, j'en ai sous la main. Eto. Et on va faire ça. Hop là. Ça, c'était un tour très qualitatif. Pas du tout. Nul. Zéro. Ah, mais il y a un autre truc derrière. Attends, c'est quoi sur 6? Ah, bah c'est très bien. On tue le beau auteur en dernier. Je répète. Nous tuons le beau auteur en dernier. D'accord. Comme ça, ouais, ça rentre bien dans ma tête parce que. C'est bien de rappeler les choses de temps en temps. C'est utile. Un petit peu. Attends, je vais à peine monter nos petites voix parce que sinon on voit pas bien les trucs. Voilà, là on sera bien là. Ouais. Je viens de le voir là sur le. Sur le. Chose là. Le retour. Merci. Donc on tape la roue en premier. Oui, ce serait bien. Après, enfin, si tu lui fais pas de dégâts, toi évite. Non, c'est bon. Ah non, on lui fait pas de dégâts donc. Tape sur la pyrolienne. Toi, tu vas lui faire des très gros dégâts sur la pyrolienne. La pyrolienne? Ah ouais, éclate là. Oui, vas-y, oui. Ouf. Eh bien voilà, t'as fait du à peu près 700. Oh, il rigole pour moi derrière. Non, c'est quelque chose d'autre. Thomas, il est pas sur la même aventure que nous. Le force pas à dire quelque chose qu'il devrait pas dire. Voilà. Alors. Attends, je te l'envoie un SMS. Moi, je peux pas bouger. Y'a quelqu'un? Non, c'est bon. Bah non. T'es juste mauvais, c'est tout. Tu es mauvais, Jack. Enfin, pas toi, Guillaume. Enfin, c'est... Bon, tu m'as compris. C'est une référence. Voilà. Mais est-ce que ta blanquette est bonne? Oui, ma blanquette est très bonne. D'accord. Alors, on peut s'asseoir sur ta blanquette? Oh. Moi, j'ai... Après, pour blanquette, j'ai une autre référence, moi.
C'est South Park. Katie Blanquette. Avec Blanquette. C'est de l'ignorance. C'est Michael Jackson. C'est franchement Michael Jackson sur South Park, c'était très très drôle. Bon, voilà. Attends, je te l'envoie un SMS, comme j'avais dit. Vraiment par SMS ? Oui. Ça touche la vie privée. Aïe. Non mais c'est pas grave, enfin, rien de grave, hein, c'est juste... Mmh. Comme ça au moins tu comprends un peu mieux les trucs, parce que je crois que t'as pas entendu la phrase tout à l'heure, donc... Je préfère le dire comme ça, voilà quoi. Super, Fierin, elle jouera plus. Ouais. Sur, Par contre, ouais, c'est à ton tour, Jacquimus, Iva Sundus. Ah bah non, faut pas spoil Jacquimus, attention. Quoi ? D'accord. Ah oui, pardon. Beaux auteurs, vite, 1 vite, ou non, non, vélo, le petit vélo, vite, 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 bouge, vite, vélo. Vite, il te reste 3 secondes, 3, 2, 1, et merde. Ah, 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 bah au moins tu l'as fait 2 sorts, c'est bien. 2, putain. Waouh. C'est assez incroyable. Est-ce que là, il peut encore s'échapper, le petit vélo? Non. Si c'était P, ah, mais le beau auteur aussi, il enlève de la portée, de la puissance, punaise. Je disais, ouais, super, j'ai de la portée, je pourrais toucher le tivolo. Bah non. Tu te sais, monsieur. Ah, j'aurais peut-être... Non, j'aurais pas assez de portée, je crois. On va voir. Est-ce que là, j'en ai? Non. Est-ce que là, j'en ai? Oui! Je connais mes lignes de vue, je suis très fort aux jeux vidéo. Allez, un en moins, casse-toi. Et puis ensuite, on va le faire se téléporter. Non, on va d'abord... On va le faire se téléporter, tant pis. Hop. Puis lui, il fait ça et ça. Et j'ai bouché toute la peau de tout le monde et je suis très content. Surtout celle de... Est-ce que je peux m'intercaler ou pas ? Oui, vas-y, entre les deux tofus. Ouais. Espèce d'intercalaire. Exactement. Alors, je peux pas le faire 3 fois. Mince. Je peux bouger après. Je peux pas faire ça non plus. Je peux faire un chat. Je peux me mettre derrière là. Ouais, parfait. Oh, de toute façon, il va bouger avant, non ? Mon chat, il s'est barré. Oh oui, parce qu'il te déteste. Il a dit, oh mon dieu, mon maître est très bête. Oh mon dieu, mais tu l'as tué, mais comment t'as fait ? Oh. Oh. Il avait moins 14%. Ah, oh, Magicrictus. Oh, de la voix de magique. C'est pas pareil que la voix d'Orifère, on est d'accord. Non. D'accord. Attendez, j'ai app, je mais vais y a pouvoir pas de soucis, vas-y, plus ah, moi aussi, d'ailleurs, je devrais mettre des points. Dans l'agilitade. Je suis déjà mi-niveau, quoi. Mais pourquoi j'ai tout ça comme... Parce qu'on est mi-fig, mi-raisin, quoi. Oula, qui c'est qui a dit ça ? Je comprends pas. Et là, cette fois-ci, ce serait bien de tuer le beau auteur en premier parce qu'il va nous retirer plein de puissance et plein de la portée et ça va m'énerver beaucoup très fort. Bon, ben pour moi, c'est bon. Ouais, ben on est parti. Ne me soigne pas. Ouais, merci. Ah, alors par contre, moi, le graboule, si je peux l'éviter, ça m'arrange. Voilà. Ah non, mais il y a Fiera derrière. Il y a quoi ? Non, ça j'allais va? Me mettre. J'allais me gêner. Ah ! Ah, mais non, là tu veux faire, j'imagine, un griffe joué sur beaux auteurs. Après, non, je joue avant toi, je devrais être capable. Non, en gros, je voulais mettre là, mais là, du coup, je bloque Fiera. Bah, sachant que tu joues avant lui, t'as la priorité. Ouais. Guillaume. On regarde dans ta barre de, d'action ouais. Qui joue avant, comme ça au moins t'es sûr de le gêner ou pas. Mm.
Regarde, maintenant c'est moi qui te gêne. Voilà. Ouais, franchement, t'abuses. Hein. Aïe, 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 les boulets, quoi. Ah, mais le beau auteur, il craint le vent. Tant mieux. Oh putain, je viens de comprendre, beau auteur, c'est le clown Bozo. Mais oui, qui saute, hein. Donc c'est un beau auteur. Mmh. Mais il est pas beau. Non, il est pas beau. Auteur. On est drôle, hein, putain. Il est où ton post-it de van, là, parce que... Ah bah, il est devant moi, il mais attend le signal. Mais j'ai perdu 2 PA. Ah, je déteste ces graboules. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Mais n'oublie pas qu'avant, tu peux faire roue de la fortune pour... Ouais. Bon, aïe, du coup, aïe. Vous vouliez une blague. Oui. Alors, c'est une petite réflexion, hein, au passage, par rapport à l'actualité et tout ça. J'ai beaucoup réfléchi pendant l'été. Oula. Et je me suis demandé, si jamais Élise Lucet, on devait l'envoyer dans l'espace pour enquêter, est-ce que ce serait une envoyée spatiale? Je l'ai senti arriver dès que t'as dit espace. Voilà. Ça m'a fait tilt de suite. Allez, c'est là, je la raye. Le mec s'est fait un document Word avec que des... Avec une liste déroulante avec affaires, ça n'a pas fonctionné. Pour pouvoir travailler dessus, se faire un feedback tout seul, c'est bon, alors là, c'était pas bon, il y a eu un souci, je sais pas si c'était le bon temps. Mais d'où tu fais tout ça? Ouais, c'est trop bien qui m'a... Enfin, il fait des dégâts, quoi. Merci, Draken, je suis très heureux de t'avoir dans l'équipe. Il t'a complètement trash-talk. Oui. Quel enfoiré. Il est où, le machin, là? Le graboule? Ah, il est là. Oh non! Au moins c'est bon, tu peux faire tes deux griffes tranquille. Non, qu'une. Oh. Allez, moi je vais bloquer Bozo là. Ah mais non, je vais sauter, je suis con. J'aurais dû tester mon sabre dessus, voir. Je suis bête. Oh mon dieu, je suis très bête. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, mais vous faites des dégâts monstrueux, c'est n'importe quoi. Waouh. Sur la deuxième. Oh non. J'en étais sûr. Toujours plus loin. Ouais, toujours plus haut, rang. Toujours plus haut, toujours plus toujours fort. Plus fort. As-tu-le, parce que là, j'aurais pas la portée. Je pense pas. S'il te plaît, on rate le tueur. On rate les challenges, c'est pas grave, hein. Oui. On l'a fait tout à l'heure. D'avant. Mais je suis à perpète. Oui, parce que t'as été téléporté par notre super ami, le beau auteur. Non. Eh oui, t'as enlevé toute ta PO, t'es sad. Oui, t'es sad, moi aussi je suis sad. C'est une chanson sad. Et tu lances ton quoi? Non, je disais, c'est une chanson sad. Ah bon? Je sais plus qui, les années 90. Ah, oh, peut-être, si tu le dis. Ah! Avec nous, on a André Pierre Gignac. Hein? Merci à lui. Merci à lui. De quoi? Mais regarde sur la carte. Il y a André Pierre Gignac, le fameux. C'est un footballeur? Je sais pas du tout. On va se faire insulter, arrête. Attends, arrête, on va encore se faire insulter. Pierre Gignac. Attends, s'il faut, c'est un vrai mec qui s'appelle comme ça, en fait. Moi, je trouverais ça ridicule. Oui, c'est ça, oui, c'est un footballeur. Hein. Ah, t'es bon. En culture générale. Attends, c'est quoi ça? C'est une photo de lapin? Oui. Mais pourquoi? Attends, je vais zoomer dessus. On peut pas trop. Parce que c'est pas de l'autre def. Aïe, aïe, aïe. Plus qu'une salle. Ouais, ça s'appelle la locale. Tout, une salle. Plus qu'une salle et on fait notre super boss. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi aussi, je joue au foot. Le dessin animé avec la locomotive, là, comment il s'appelle? Ah ben c'est Thomas le Train.
Oui, voilà. Thomas, le petit train. Bon, on y va. On n'atteint pas la réponse du... Non, mais non, il doit être AFK, le mec. Ouais. Oui, je sais, mais s'il faut, il va t'envoyer un MP. Ouais. Après, s'il faut, il va t'envoyer le MP le pire du monde à base de oui, et alors Non, t'imagines, il me répond oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Ouais, il y a du monde en bas. Après, toi, tu ferais des dégâts contre la pyrolienne. Mais bon, on doit la tuer en dernière, apparemment. Michel. Quoi? Michel pyrolienne. J'ai pas tout suivi, ça. Ouais, moi non plus, j'avoue. Bah, Michel Forever. Oh oui, mais... Je te déteste. Parce que t'as marché dans un piège. Deux pièges. Et alors, ça fait quoi? Et alors encore, ça va, mais j'aurais pu perdre 2 PA, de la portée, ma famille et tout le reste. Ça va, ah non, hein. Ah non, ouais. Pas Brigitte. Voilà. J'ai un bouclier de 666. Est-ce que les prénoms, ouais, ça reste, ouais. Oh, ça devient un running gag. Oui, ah, c'est vrai. Oh, putain. Je savais pas qu'elle courait aussi vite. Running gag. Ouais, ah. Oui, je... ça a mis quelques secondes, mais... Moi, j'aime bien. Bon, allez, meurs. J'ai bien Narnia. J'en ai plein le cul. J'en ai marre de ces pièges de merde. Je vais exploser. Alors. T'es esquivé la paire de 3 PA quand même. Ouais, parce que je suis très Ford. Ah. Draco, c'est le plus Ford. Ah. Ça. Non, pas ça. Et je suis censé pouvoir bouger, mais j'ai pas envie. Eh bien voilà. Bouloum. Mais il se moque de moi en plus. Oui. Mais il est très heureux, regarde-moi ce sourire. Moi aussi, tous les matins, je me mets debout sur les mains. Oui, moi aussi. Ouais. Mais dans mes rêves. Ouais. Elle était pas assez loin, merci. Ah. Il joue au yo-yo avec la pyrolienne. Le feu, l'élément purificateur. Tivélo, pyrolienne et... Bon ben, Tivélo. Elle a pris un petit vélo. Elle a pris un ami, la vue. Allez hop. C'est parti, Mister Tofu. Oh, Mister Tofu. Pardon. J'aurais dû l'appeler comme ça, mon personnage, sans déconner. Ah merde. Ah non, c'est bon, ça a ouvert là. Le champ des possibles. Ça existe toujours, Mister Cocktail? Oui. C'est toujours aussi dégueulasse? Je sais pas, j'ai jamais goûté. Ah, moi, je trouve ça ignoble. C'est du sucre avec du sucre avec du sucre. Sans alcool. Et du sucre. Avec pas d'alcool et du sucre. Je te laisse le tuer en bas, Thomas. Putain, mais pas possible. Chez la pyrolienne, chez. Ouf, los damajos de la papel. J'ai envie de tenter ça. Oula, tout ou rien, c'est ça? Attends. Vas-y, tu peux peut-être la tuer. Oh putain. Yes. Oh la vache. Et je me mets... Ah, j'ai plus le temps. C'est pas grave. Il s'en va. Touk, 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 touk.
Heureusement qu'on avait dit qu'on tuait la pyrolienne en dernier. C'est pas grave. Un peu comme François Hollande, quand même, le truc. Ça quoi, les... T'as, je vais regarder déjà les challenges sur Choudini. Je crois qu'il y a main propre dans le tas. Et non mal. Hardy et Collant. Oh, trop chiant. T'es oui. Sérieux? Hardy et Collant? Oui, oui. Bon, moi, ça va, mais... Hardy et Collant, quoi. Pas le masque. Non, mais Hardy et Collant, quoi. Je peux le redire si vous voulez. C'est quoi? On est sûr de pas les oublier, c'est Hardy et Collant. Ah. Ah. C'est quoi déjà Hardy? Ce que tu vois. Attends, attends. Je vais te couper en deux. Switch. C'est nul! Oh là là, j'ai été affligé par la nullité de mon cac. Waouh. Waouh. Comme les crêpes. Mmh. Oh, il est là, il est là, il est là. Écoutez-le se déplacer. Oui. Ah mais voilà pourquoi mon sabre il est nul, parce qu'il fait des dommages neutres et il vole de l'air. Eh, y a une poubelle. Oh dommage. On peut pas cliquer dessus. Oh. Mais il s'est pas encore déplacé. Allez. Bouge. Attendez, c'est une. C'est une salle de il a fait un pas, ça fait gling. Je me mets là. Oui. Bon, vas-y, quand on va le combattre, il va bouger. Il va bouger. Respecter un siège entre les personnes. Oui. Respecter une case. Une case, ouais. Ah, là, il y en a deux, même. On est... Oh, c'est bruit. De quoi? Du tibiti. Ah, c'est le machin. Mais c'est Choudini. C'est perturbant. Il est trop cool. On dirait un carillon de porte. Quoi. Oh. Il est trop cool. Vas-y, lance le combat, ça va être bien. Ah non, attends. Allez. J'avais pas de pain. C'est bon, j'en ai. C'est quoi déjà le premier challenge? C'est non, Collant et Hardy. Hardy, c'est quoi déjà? Hardy, c'est faut finir être au corps à corps d'un ennemi. Et Collant, c'est être au corps à corps d'un allié. Faire les deux en même temps? Je pense qu'on va en choisir qu'un seul. Hein. Mais déjà, Choudini et Bozoteur, ils vont nous, tout le temps nous déplacer. Donc ah putain, c'est possible. Vrai. Bon, on fait lequel alors? Collant, pour moi, c'est le plus simple. Moi aussi. Parce que je peux invoquer. Attention, marche, marche! Il y aurait pas, enfin franchement, il y aurait pas l'écho, ça serait joli. Avec l'écho, c'est Triglock. Non. L'écho? Oui, avec l'écho. En fait, t'as une espèce de plutôt de réverb. Ouais, de réverb plutôt. Oui. On dit, t'as une espèce de réverb quand il bouge que ça fait tic 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 tic. Mais que voilà, il aime pas la réverb. S'il aurait préféré les bruits plats. Mm. Là, pour l'instant, nous on fait Collant. Ah oui, c'est vraiment chaque tour. C'est ah sur ben, chaque tour, hein. Oui. Oh, ça va être un enfer. Je veux te mettre à côté de moi et comme ça. Ouais, sauf que là, il me manque un PM. Franchement, c'est pas très à distance non, sociale. Attends. Attends. Voilà. C'est lui que je veux taper en premier. Il va nous casser les burnes. C'est qui qu'il faut tuer en premier? Ah oh bah le beau auteur. Ah bah. Ah bah t'es. Ah bah. T'es. Hein, tu bah vois, ma moto. Pour faire Collant, tu peux mettre une kawotte au pire. Ton chaton. Ou ton chaton à côté de toi. Mais faut finir à côté du chaton. Ouais. Est-ce que je peux aller là? Ouais, tu peux. Ok. J'attends la cahote. Ouais. C'est bon. Et tu peux te TP. Ça, hein. Ah, vas-y, continue, oui. Même. J'ai cru que tu allais te tirer dessus. Ah, ouais, non. C'est vrai que c'est un peu au-dessus. Tu fais. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai quand même pris mi-vie, hein. Déjà, ah ouais. Oh la vache, il va falloir que tu fasses contre-coup.
Tu l'es. Depuis quand tu fais plus de dégâts par contre? Tu calmes. Fièrement. Parce que j'ai moins 300 en puissance. À cause ah oui, quand du, même. Du Rokuto là. Ah, le Rokuto. Rokuto no Ken. Donc en fait, faut défoncer le beau auteur et la roue quoi. La Shodini, il tape aussi. Hein. Oh la vache. J'ai toujours pas perdu un seul point de vie, je vois pas le problème. Je suis en train d'écrire mon testament sur un post-it. Vas-y, fais-le, à côté des blagues. Oh, bah c'est dommage, ouais. Il reste très peu et je pourrais pas le tuer, moi. Parce que je vais être téléporté par Bozo, là. Genre, il va faire, hey, toi là-bas, tu veux mon doigt? Mais pourquoi t'as fait ça? La carotte est insoignable. Qui est comme... Oh! Oh! Au-delà de ce que je vois, je suis un tofu. Oh, je vois. Arrêtez de rire. Ouh. Moi, si. Et je viens. Comme je peux. Moi, oh, mais là. Ouais, je sais, mais attends. Là, t'auras plus de portée pour le Graboule. Ouais, je serais peut-être mort avant, je pense. Mais non, regarde. Mais non. Mais non, regarde. Hey, il est vivant. Oula. Tu peux tuer Graboule déjà. Mais on fait pas le désigné volontaire. C'est pas grave. Okay. Faut que tu survives. Je te survivrai. Voilà, et maintenant tu fais contre-coup. Pour te soigner, parce que là... Il est où? C'est une icône violette. Avec un chat dessus. Miaou. Exactement. Oh, je suis trop loin. Oh, je suis trop loin aussi. Après, t'aurais pu finir ton tour à côté du chaton, mais... Bah, y a la carotte. Oui, tu peux aussi. Mais si t'étais et trop loin pour faire des soins. Volontiers. Parce que Shudini si est encore à 2900. Tellement de non-dégâts de la part du joueur français, c'est incroyable. C'est ça. Et n'oublie pas quoi, André-Pierre Gignac. Quoi? Le joueur français. Oui. Bon, bah c'est bon, pas besoin de soigner Guillaume. Oui, mais quand même. Bah non, t'as fait sacrifice. Mais là, pourquoi je me suis mis... On a plus rien à faire, chef. Ouf. Ouais. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fini derrière... Attends, mais j'ai il pris a la disparu. Place de la carotte. J'ai pris la putain de place de la carotte. Qu'est-ce que c'est con, alors. Il a dit, prends ma place. Ouais. Ah, mais et la carotte, ça fait chier, en fait. Je sais pas ce qui se passe, là. Non, c'est pas... N'oublie pas Collant, hein. Ouais, mais... Bah, n'oublie pas Collant. Je sais pas quoi. Voilà, très bien. Chauffeur. Non. Non, pas le chauffeur. Bombe douzade, please. Fais gaffe, je crois que vous avez un poison en fonction des PM utilisés, donc... Ah bon? Bah, je vais tous les utiliser. L'idiot du village. Onze et moins, hein. Wouhou! Alice? Attends, mais qu'est-ce qu'il va faire le petit? Ah, mais tu peux faire une griffe joueuse à travers le mur. Donc fais-toi plaisir. Donc, sur Shudini. Ah, il est. Ouais. Il est derrière un petit mur, ouais. Attends, 1, 2, 3, 4. Voilà! Ouais, c'est bien là. Tu peux faire roue de la fortune avant et. Oh, comme d'accord. Ça, tu restes dans le glyphe de la carotte. Je suis quand même à côté là. T'es à côté de la Kawa, oui. Oui. Mm-hmm. Je l'ai pas mis. C'est normal. Hein. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est pas. Lui aussi, il a des malices de puissance. Bah non, je viens de regarder, il en a pas. Interception des dommages, réduit les dommages finaux.
Ah si, 85 de puissance, non, la chatte attaque est censée lui en donner. Ah non, j'ai rien dit, le roux couteau lui en met moins 400. Oui, voilà. Ok. Il faudrait peut-être tuer le roux couteau. Oui, ben, je fais ce que je peux. Oui, ben, écoute. You're not doing enough. Ouais. La musique derrière est quand même très épique, c'est pas très cirque. Mais si, c'est chouette. Non, c'est chouette, mais c'est, ça fait pas cirque, quoi. C'est vraiment épique. C'est pas le challenge ? Attends. Succès ? Non. Parce que déjà, on va enlever ça. Avec plaisir, hein ? Ouais, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Toi-même, tu sais. Ouais. ouais. Riche en état indéplaçable. Meurs ! Bup. N'oublie pas ta kawotte, hein. Bup. Est-ce que... Bup. Je vais essayer, hein, mais... Et tu peux faire un tutoriel aussi, si tu veux te soigner un peu. Ouais. Tutoriel, ça soigne, hein, techniquement. Sur moi ? Oui. En fait, ça soigne les alliés, et ça fait des dégâts aux ennemis, et au tour suivant, c'est le contraire. Donc si t'as ton contre-coup, il est temps de le refaire. Contre-coup ? Non. Eh bien, c'est dommage. You are in deep shit. À moins qu'on le tue avant. Oh. Oh. Prends la place de la kawotte. Et je peux pas, je suis en état pesanteur. Ah bah alors, tu te démerdes. Ah là là. Ma bonne dame. Saison. Ah, c'est pour t'attirer près de la kawotte, voilà. Ça, c'est l'homme qui sait jouer au jeu vidéo. Bon, par contre, on le tue pas, là. Donc, Guillaume risque de mourir. Il est un crapin. Ce boss est immourable. Immourable. Oh non ! Non, la kawotte ! C'est vrai, Guillaume, on s'en fout. Non, la kawotte ! n'oublie pas Collant, même si tu le tues. Ouais, voilà. Et on l'aura fait. Ouais, vas-y. Et on a validé partage. Ouais. Wow. On est trop fort. Et j'ai pris un niveau. Putain, on a géré en fait. Je suis trop content. Et moi aussi, je suis niveau 103. Regardez, on sortait pas trop vite du donjon. Il faut parler à Choudini, il faut pas sortir, s'il vous plaît. Annoncer l'arrivée imminente. De Choudra. Ok. Ah, trop tard. Oh non, on doit refaire le donjon. Ah merde, Chourave, c'est un monsieur. Oui. Oui, c'est un professeur. Professeur Chourave. MC. <Chourave. rire> Remarquez l'arrivée de Chourave. Allez voir Choudini, suivre la discussion. Ne faites pas s'en aller, hein. Surtout pas. Hein. Vous non, cliquez pas à côté. Hein. Ouais. Sérieux? Le Yal, Pinder, Flamara et Bouglione. C'est trop bien. S'en aller. Terminer la grande parade. Ouais, une fois que la quête de la grande parade est terminée, c'est terminé. Oui. Donc on s'en va. Oui. Putain, mais il y a tellement de dialogues. T'as moi qui voulais le lire. Ouais, on peut s'en aller. On a fait le Grand Parade. On est trop fort. Deux. On est vraiment les plus forts.
Ah, mais c'était un bon donjon, j'ai bien aimé. Alors, quelle est la suite? Et maintenant là, on a pas mal d'XP quand même. Ouais, on a pris beaucoup d'XP. Hein. Gérer un objet, apparence, on met le même que Guillaume pour faire partie de Ivazoom Studio. Voilà. C'est notre casquette mascotte Ivazoom Studio. Ouais. Je vous propose d'aller dans la forêt des abracnides. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Non, rien. Il a parlé de partenariat. On n'a pas de vous partenariat. Vous voulez aller dans la forêt des abracnides? Oui. Ah, Shenmue? Non. Lol. Abracnide non. Ancestral. Non. Oh. De où la forêt des abracnides? T'inquiète, il va vous téléporter. C'est... Oui, je vais vous TP. Ah, oh, ok. On est vraiment des grosses feignasses. Hein. Vite, esclave. Ah, mais non, mais je suis bête. Oui. Toi, tu peux te téléporter grâce au pouvoir de l'amour et de l'amitié. Ah non. C'est trop loin. On est trop loin, mince. C'est l'amour à cause du confinement, tout ça. Il me faut, comme ce qu'ils sont en train de mettre en place au Canada, je ne sais plus quel pays, il me faut un visa chéri. Un visa chéri. Oui, c'est quand deux personnes de nationalités différentes, mais qui sont en couple, n'ont pas pu se voir par rapport au confinement et aux restrictions des vols et compagnie. Il y a, tu sais, t'as des passes vacances, des passes de travail et compagnie. Et là, ils sont en train de mettre en place un visa chéri pour que les couples puissent se rejoindre. D'accord. Moi, j'ai pris la quête. Hein. Enfin... Non, parce que c'est... l'interroger sur ce qui est arrivé. Voilà, j'ai pris la quête. Et je sors d'ici. Oh non, on va faire la reine. Oui. On fait proposer l'aide ou prétexter que... Oui, proposer. Proposer de l'aide. Okay. Oh non, on va faire l'araignée. Mais elles sont dégueulasses. Oui, désolé. Et là, on ressort? Oui. En plus, il D'accord. leur manque deux pattes. J'en manque six. C'est pas des vraies araignées, ça? C'est quoi, la c'est contre façon niée. Chinoise où ils ont pas eu le temps d'agrafer deux bras? C'est la reine niée. Oui, ouais, la reine niée. Je te jure que c'est vrai, elle s'appelle comme ça. La reine Ben vous faites la quête, c'est tout simple. Il faut marcher. Allez, et marcher. D'accord, allez, simple. Ok. Voilà. C'est tout simple. Ah merde, faut aller dans le bâtiment. Ah, elle est toute simple cette quête. C'est tout simple. Pour une fois, ça change. Au revoir. Au revoir, Dina. Au revoir. Eh bien, maintenant. Tu va nous chanter une chanson. Thomas va vous chanter une chanson. Je l'ai dit en premier. Je l'ai dit en premier. Ah, faut aller dans la mine. 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 Il y avait de l'argent dans la mine, tu peux pas le piocher? Je sais pas. J'ai D'accord. Ah, elle est pas que je clique là. Mince. Qu'est-ce que t'as fait? Comment on sort de là? Sur la croix rouge en haut à droite. Mais du coup, qu'est-ce que t'as fait? C'est là? T'as appuyé sur le zap, toi. Non, c'est pas là. C'était un zap? Bah, il était rouge. Ouais. Ouais, ouais, c'était un zap. Ah oui. Bah, attends, je comprends pas. C'est une arène de combat, en fait. Oui, ça, d'accord, mais... Ah bah je sais pas du tout comment on en sort, hein. J'y suis jamais allé. Non, non, c'est bon, je suis sorti, mais du coup... Mais j'ai même plus mon point de quête, fallait vraiment rentrer dedans? Non, non, fallait juste être sur la carte. Ah. Pas tout compris, mais d'accord. En même temps, j'ai pas lu. Faut juste découvrir les cartes, là, en fait. Hein? C'est ça notre quête, c'est marcher. En plus, c'était simple, hein, je sais pas comment t'as fait pour te tromper. D'où le nom de la quête? C'est tout pas simple. Et là, c'est dans la mine. Dans la mine. Dans la mine. Les idiots. Et on il faut, c'est juste rentrer dedans et ressortir. Exactement. D'accord. De l'eau.
Cher. Non. Parle à Arbara. À Barbara. Barbara, oui. Arbabra, oh là là. Ça ne savait même pas lire. Ça fait trois fois que je le répète. Suivre le petit Abrakni. Oui. Attends, on va. S'appelle Arba. Arbabra, putain, mais. Oui, non, arrête. Je sais très Macadabra, bien ce que tu vas dire. C'est une souche. J'allais dire abracadabra. Non, t'allais pas dire ça du tout. Arrête de te moquer de moi. Tu me prends pour qui? Pour un putain de... You are the air word. Attendez, il va y avoir un combat. Eh bien, on attend. Qu'est-ce que tu crois? Oh ça va, c'est un combat simple. C'est fou, le type, il a un point de vie, t'imagines? C'est tout simple. Le mec a un point de vie. Et encore, non, il se suicide dans la lancée. Il joue en premier, il se suicide. Ah, enfin un combat que j'aurais pas à faire parce que c'est lui qui va le faire. On est tous sur suivre ou il faut suivre et après on se rejoint? Suis. Suis, et quand tu verras le PNJ simple, eh ben faudra attendre les autres. La 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 la. La 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 ting 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 ting. En plus, il est déjà passé l'éphéméride avec le blé. Qu'est-ce que t'en as besoin? Mais d'où il y a du combat dans les blés, quoi? T'es pas au courant? Bah non. En fait, quand tu ramasses des ressources à un certain niveau, tu tomberas sur des monstres de ressources qui te donnent des sacs de 50 blés, là, vu que c'est du blé. À partir du niveau 20 dans le métier. Je savais pas que c'était niveau 20. Voilà. Est-ce que tout le monde a cliqué sur attendre les Bah infos, oui, il l'a fait, oui. Putain, mais c'est dingue, hein. Il lit rien, il lit rien. Il y avait un bouton. Je peux même pas rejoindre. Pourquoi tu peux pas rejoindre? Pourquoi? Je clique sur rejoindre, il se passe rien. Ah, parce que j'avais la fenêtre de dialogue activée. Oh putain, fatigué. Allô, qui a dit ça? Lui, on va le mettre là. Ouais, malheureusement. Pourquoi il a un sac sur la tête? C'est pas un sac, c'est un abracnide. C'est un tronc d'arbre. Ah oui. Ah oui. Mais elles sont moches, putain. Et voilà, maintenant vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert de jalousie. C'est l'orange qui a périmé. Mais qu'est-ce qu'il fait, ouais, mais... ce con, mais... Moi j'ai un beau masque. Un beau masque vert? Pourquoi simple, il s'est foutu devant moi, quoi? Parce qu'il t'aime. Ouais, mais je le connais pas, moi. Ouais. Je comprends. Tu t'en fous, il porte un masque. Non, quand même, j'ai un peu plus de valeur que ça. Aïe. Mais quoi? Oh, elles font des dégâts au contact, putain. Régnée de merde. Oh putain, mais elles ont putain de... Pardon, on dit pas ce mot là. Je vais le prendre en tant que... Je vais le prendre en tant que clip. Oh là là, Jackie Vazoum dit des obscénités et vous apprend l'anglais. Mais j'apprends très bien l'anglais au vent. La preuve sur du temps fort de Néon Abyss.
Néon Abyss. Billy Eilish. Ouais. J'aime bien Billy Eilish. Ah bon? Moi j'aime bien. Bad Guy. I'm a baggy. Je suis un baggy. Da. Et allez, je suis tout vert, putain. Sans prix d'araignée de merde. Meurs. Je dis meurs. Mais espèce de sale. Ou la vilaine. Mais meurs, meurs, meurs. Mais non, mes tofu, ils vont mourir. Mais vous m'avez dit d'attendre. Ah. Chè. Ivy Winters. Non. 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 Non, pas là. Ouais. Paf. La pastèque. Merde, du coup. Voilà. Sinon, vous connaissez Honoré de Balzac? Ça vous fait quelque chose? Un auteur français du siècle... il y a deux siècles. Ouais. Et s'il avait attrapé une infection sexuellement transmissible, est-ce qu'on pourrait dire gonorrhée de Balzac? Je sais pas si je dois appeler au génie ou, ou à la connerie, là. Voilà. Je saurais pas dire. Eh, moi j'ai découvert un nouveau truc pendant les vacances là. Ah, trop bien, il y en a qui ont des vacances, on adore. Prends toutes les citations que tu connais, genre qui vole un œuf vole un bœuf. Ouais. Et en fait, au milieu de la citation, tu mets entre tes cuisses, et à la fin de la citation, tu mets dans ton cul. Qui vole un œuf entre tes cuisses, vole un bœuf dans ton cul. Voilà. Et tu peux le faire avec toutes les citations que tu connais. La bille dans ton cul ne fait... Attends, la bille entre tes cuisses ne fait pas le moine dans ton cul. Ça, c'est drôle. Mais c'est pas possible. Oh non, faut aller au temple Sadidan. On peut se téléporter? Ou faut y aller en marchant? Oui, tu peux te TP, oui. Ok, j'y vais. Il faut prendre le zap de la... du bord de la forêt Malafak. D'accord. Voilà, je préfère le dire. Et ça sera 4 maps au-dessus. Oh, il était trop bien, son petit oiseau. Tu l'as vu au zap ou pas, Louis? Son petit oiseau? Moi, il avait un montilier oiseau, mais c'était pas un tofu. Enfin, c'était un espèce de tofu noir, mais chelou. Il était trop cool. Ah, mais c'est celui que... Quel tu pouvais obtenir sur le serveur Temporis 4. Oh... L'argent entre tes cuisses n'a pas d'odeur dans ton cul. Mais c'est horrible. Mais c'est le pire jeu du monde, arrêtez. Arrêtez ça de suite. Je trouve ça rigolo. Je crois que ça entraîne en conquérir un petit à petit, donc arrête. Tu arrêtes ça de suite. Faut aller voir le colonel Runemo. Quoi? C'est qui? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oh non. Oh non. Je vois pas le temple Sadidin. Et pourtant. Deux de classe. T'as changé ou quoi? Ah non, c'est parce qu'il y a un pin dessus. Une épingle. Un jalon. Qui vivra verra. Mais non, mais arrête ça. C'est les pires, je dis rien. Oh, putain. Je
J'en peux plus, moi. Je n'ai pas peur de me battre. Oh non. Va falloir tuer 12 araignées. Ouais, faut aller voir. Aller voir le colonel. Vous aussi participez sur le chat. Mettez vos expressions favorites. Favorites? Bah oui. Favori. Favorite. Favorite. C'est ce qu'il a dit. C'est quoi c'est ce du micro, là? C'est moi. Ah, t'aimes bien le manger. T'avais faim là et... Tiens, j'ai une petite faim. Je sais pas. Je mange pas. Si je prends un Kinder Bueno. Une barre chocolatée. Non, j'aime pas ça. Je préfère les micros. Quand tu crois. J'adore bouffer mon micro. C'est vraiment mon instrument favori. Bon, comment on va aux Arakai là? C'est quoi le zap le plus proche? Montagne des craquelures? Oui. Ok. Je vais vous TP parce que ben. Il veut même pas le faire maintenant. Notre esclave ne veut plus le faire. Les esclaves, hein. Non mais t'as vu ça? Faut tout faire soi-même de toute façon ici. Vous aussi, adopter un enfant du Moyen-Âge. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans le Golden Show. Ah, je sais pas tout. The Golden Show. Wanna be to a gay bar? Putain, elle est nulle la chasse. Alors, cette je musique. Suis à l'extérieur du château de Amakna, à côté de l'Imagiro. Mm-hmm. Oui. Et maintenant. Est-ce que tu as lancé la quête Arakai en pagaille? Oui. J'arrive. Mais tiens, mais comment ça... Comment t'arrives avant moi? Putain, mais comment t'as fait pour arriver avant moi? Comment t'as fait? Je suis parti avant toi, guerre, t'es arrivé avant moi. En fait, il nous le dit pas, mais il bosse chez Ankama. Le mec, il fait slash pause, mais en fait, lui, ça le téléporte, quoi. Slash... Oh là là, faut sortir, ouais, faut sortir du bâtiment quand vous avez accepté. Et après faut trouver des groupes de d'araignées merdiques là et faut les tuer. Oui, Guy. Ah. Le groupe de 8 là-haut, c'est bien, non? C'est pas un peu trop ça? Je sais pas. On va commencer par un groupe de 4, on va voir. Hein. D'accord. Là, il y en a 4. Oh, trop bien. Venez à droite. Nous sommes à droite. À droite. Rire de droite. C'était très drôle, ça, par contre. Rire de droite. Hé, hey, je joue en toi, Guillaume. Arrête de te foutre devant moi. Ah, pardon. C'est pas grave. C'est une blague. Je suis encore tout vert. J'aime les blagues. Moi aussi. En fait, on l'est tous, sauf celui qui cheat. il cheat encore plus que les 4 cheats. Et Dieu sait que c'était pas évident. Allez là! Mais joue, on s'en fout du cheval. On fait le challenge ou pas? Non, on le fera pendant. Et faire le challenge ou pas? Oh, putain. Non. Putain. On le fera pendant le donjon. Je l'ai demandé 3 fois. Ché! On devient un gros caca de soi. Ben quoi, c'est vrai, c'est devenu un gros caca de soi. Putain, mec, règne pas l'air, mais c'est nul ce jeu. On peut même plus jouer, quoi. I wanna be to a gay bar. Fouch, fouch. Bonjour mesdames. Je vais vous parler de notre ami Jésus-Christ. Quoi? Jésus-Christ. Oh mon dieu. Je ne pas Jésus, est-ce que je sais? Quoi? Laïa. Why are you learning? Ah, oui, c'est normal. Toi. Elle renvoie des dégâts au corps à corps. Non, mais ça a débuff, Thomas.
Des fois, je comprends des choses. Le hasard total. Mais non, mais c'est exactement comme un donjon sur WoW. Anubarak. Ah oui, Anubarak. Mais Anubarak, elle est pas du tout dans la meilleure région du monde, on est d'accord. Le Northandre. Non, la meilleure région du monde, c'est... Ushindoun. Oui. Rien que le nom, quoi. Ushindoun. Oh, grosse doudou. Mm. Qu'est-ce qu'il y a? Thomas qui a dit Dormammu, c'est tout. Dormammu. Je suis venu pour négocier. Lormanodou, je suis venu pour nager. Est-ce que tu savais que c'était Benedict Cumberbatch qui faisait la voix de... C'était Benedict Cumberbatch qui faisait la voix de... Ouais, et que certains traits du visage de Dormammu ont été... Ouais. C'est clairement lui aussi. C'est ouf, quoi. Ah ouais. Wow, c'est dingue. Tu savais que c'était Benedict Cumberbatch qui jouait Dr. Strange. Je t'en fous de lui. Il est insupportable, ce gosse. Oh, il est tellement insupportable que je rate mes sorts. C'est des ressemblances, hein. Ouais, ouais. J'étais vicieux. Non, mon tofu! Comme le circuit Yoshi, tu sais que. Il y a une anecdote sur le circuit Yoshi. Comme quoi il ressemble à un Yoshi? Et non, mais c'est pas du tout ça l'anecdote, sinon ça aurait aucun intérêt. Je demande pardon d'avance. Mais mon tofu! Mais putain, il le tue! Mais mon tofu! Du coup. Il a tué mon tofu. Je suis pas très content. Pourquoi je peux pas toucher l'araignée noire? Parce que je sais. Parce qu'il y en a une blanche devant. Tout simplement. Ah oui. Ah oui. Ah oui. On sent bien le fruit. Dormammu. Je suis venu pour négocier. Ah, mais on peut taper la toile. Est-ce que ça serait quelque chose? Je ne crois pas. J'ai pas de PM. J'ai moins 95 PM. Parce que tu es dans la toile. Bon ben. Tu es dans le web, Thomas. Oh non, Draken vient de rejoindre le combat en spectateur. Putain. Il va faire ses conneries de feu d'artifice quand on va sortir. Mais non. Non. C'est gentil, Draken. J'en mettrai pas ma main au feu. Et si on rentre dans la toile? Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et si tu rentres dans la toile, c'est comme un épisode de Charmed. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Ouais. Pourquoi elle rentre dans la toile? C'est un épisode qui m'avait marqué, ouais. C'est une toile de tableau avec un vieux château. Et en fait, vraiment un très beau tableau. Hein. Et il se trouve que de temps en temps, t'avais une lumière de feu. Qui se reflétait dans la fenêtre du tableau de ce château. Et ça faisait flipper. En fait, il y avait un sorcier enfermé dedans. D'accord. Voilà. Et pour sortir, il devait enfermer quelqu'un d'autre dedans. Enfin, bon, tout un... ouais. Voilà, du charme, si ça vous intéresse. On adore. Ah, Draken, il vient nous PL. Ah putain, mais il est niveau 62. 160. Oh la vache. Mais on va avec lui. Bah oui, il va tout nous faire. Wow. Oh. Oh, c'est trop chiant, les gens qui nous aident pour aller plus vite, éviter qu'on mette 48 000 streams à atteindre le Dofus des Glaces. Ah, ah. Et du coup, c'est quoi le Dofus des Glaces? Oula, je veux pas savoir. Bon, allez, d'accord, je te le dis. Y a une île dans le jeu, quand tu appuieras sur M, qui s'appelle Frigost et qui ressemble à une grosse baleine. Mmh. Frigost est composé de trois zones. Une où on peut enfin y aller, même si on risque de se prendre des tartes monstrueuses. Et deux autres de haut niveau. D'accord. Et en fait, le Dofus des Glaces, il faut faire toute l'île de Frigost. Et ça, c'est pas juste à Noël? Non. Non. Okay. À Noël, il n'y a même pas de Dofus. C'est bien dommage parce qu'ils en ont fait un pour...
Ils en ont fait un pour l'île de Pouac, mais... Et de Vulcania. Et de Vulcania, mais ils en ont pas fait pour l'île de Noël, c'est complètement con. Maintenant que j'y pense, je suis ultra vénère, en fait. Calmez-vous. Calmez-vous. Je suis venu pour négocier. C'est les négociateurs de la police qui disent... Au mégaphone, calmez-vous. Oui, c'est ça. Je vais tout faire sauter, moi. Voilà, les négociateurs de l'extrême. Qu'est-ce que vous voulez en échange de libérer les otages? Un hélicoptère, tout de suite. Et du thon. J'aime beaucoup le thon. J'ai plus la ref, là. Il n'y a pas de ref. D'abord. Je sais pas pourquoi, des fois, tu sais. D'accord, non, mais là, je pensais vraiment qu'il y avait une ref derrière, et... Non, non, c'était l'inspiration de la soirée. Catwoman est passé par là. Ok. Ouais. Après, c'est dommage, Guillaume, tu vois, t'aurais utilisé un PA pour faire un bond du félin, te décaler d'une case, t'aurais pu en toucher trois des araignées. Ouais. Je sais. Voilà. Tu sais pas vraiment jouer au jeu, ça se... Allez. Je m'en suis rendu compte trop tard, donc... C'est pas grave. Mais il faut regarder le jeu avant de jouer. Mais Draken, au-delà de ce que tu vois. J'aurais pas fait ça. Non, mais le maître Kra qui parle, tu sais. Moi j'aurais une mauvaise arme parce que moi je connais la glace bargain, donc. Franchement, tu as besoin. Moi je peux faire quelque chose? Oui, tu peux jouer. Tu la néphileuse. Tu es vraiment très forte. La 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 la. C'était pour libérer Imajiro. Waouh. Il a vraiment pensé à tout le monde, il est trop sympa. Moi, il m'aurait laissé croupir dans le cocon. Il m'aurait jeté sous les roues. Oh non ! Champ en danger, champ en danger. Stranger danger, stranger danger. Quoi non ? Quoi non ? Quoi non ? Quoi non ? Pourquoi t'as dit ça ? Réponds ! Mais réponds, putain ! Je ne vois même pas mon personnage. Ah ben si, on voit tes pieds. On voit tes pieds. Pourquoi tu t'es détaclé pour faire ça ? Bon, ok, d'accord, je comprends maintenant. Ah ! Je ne t'aurais pas laissé dans le cocon, c'est chiant avec les 5 secondes. Seulement 5 secondes ? Si c'est que ça. Après, c'est écrit, moi, hein, retard de stream, 5 secondes. Hein. Donc, ah, je l'ai mis à fond, je pensais qu'il était à 10. Mais non, c'est toi qui es à 10. Le Draken a lancé un combat en bas. Ah, oh, mais il est fou, ce type. Faut qu'on descende. J'arrive. Mais il va trop vite, il nous faut de la dardalène et de la satellite. Oui, il lance un combat sans dardalène. Putain, il est trop fort. C'est ici. Mais pourquoi tu fais ça? Il nous fallait de la dardalène. C'est les yops qui foncent dans le tas. Donc... Ah, ouais, remettre. Grave. Tu t'es trompé de classe. Là-bas, Jacques. Où ça? En haut, tout en haut. Derrière. Tu vas mourir, sinon. Oui. Ouais, mais vous allez mourir. Mais tu m'as dit d'attendre. Je crois que Thomas n'était pas intéressé par... Allez, cher. Je voulais prendre... Putain. T'avais qu'à mettre prêt. Attendez. Du pain. J'ai une question importante. Oui. Oh. T'es content d'avoir pris du pain? Non, si jamais on est tous cocons, qu'est-ce qui se passe? Le tour passe. Personne ne l'est. On passe tous un tour. C'est juste un tour? Oui. Ah ok, je pense que c'est pour toute la durée du combat. Attends, on va retester avec Thomas. Il va se faire choper au moins 28 fois. Ouais, mais moi j'aurais aidé.
Oui, mais moi, au moins, eh ben, à mon vélo, eh ben. En vrai, putain, tu, je peux pas aider, quoi. J'ai pas la portée. Eh bien, fuck. Oui, Draken, c'est avec un mob qui est dans le donjon qu'on peut se faire OS. Qui s'appelle Casse-couille aiguë. Non, les casse-couilles, c'est les. C'est les monstres de panda là. Où suis-je? Ok. Où vais-je? Dans quelle étagère? C'est une émission dans quelle étagère? Ah bon? Ouais, sur le buzz de la librairie, tout simplement. Ah! Parce que je pensais que c'était un mec qui disait paquet de pâtes et quelqu'un il disait bah celui du haut. Allez, tape le gars. Un petit placard à paquet de pâtes. Quoi? Ouais. On dira d'accord. Putain, je vais vérifier ce que je dis quand même parce que j'ai un doute. Et chez. Oh non! Non, il n'a pas transformé. Mais putain, mais pourquoi elle joue pas? Ah. Oui, c'est ça, c'est une émission entretien de 2 minutes avec un écrivain pour donner envie de lire chaque jour un nouveau roman, un nouvel essai choisi dans l'actualité éditoriale. Wow. It's so amazing. Lisez des livres, c'est bien. Manger des pommes. Porter c'est des bien mains. Aussi. Waouh! Les dégâts de cet homme deviennent trop imposants. Oui. Alors que moi, j'en fais pas du tout, je sais pas pourquoi. J'ai envie de dire chais. Oh, je l'ai dit, chais. Pâté rose. Le pâté rose. Le pâté rose. Horrible ce bruit. Oui. Mm-hmm. C'est bien entouré, Draken. C'est pas moi qui serais comme ça dans la vraie vie. C'est un crack qui se prend pour un yop. Alors, ça non. Ça non. Ça non. Ça non. Ça non. Ça non. Ça, ouais, voilà. Peut-être, ok, ça non. Ça, ça non. Bah tiens, c'est pour toi. Ouais, bonjour. Bah écoute, ça tiens, non. Ça c'est pour toi. Vous m'aimez. Ah, mais je voulais profiter de la carotte. Sale tigre, va. Ouh là là, tellement le damage. Poète, 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 poète. Je ne sais pas comment venir. Si je tue le celtique là, celui qui m'a cassé les bonbons là, chère. Meurs! Je mets un lumino pour le combat d'après. Mais non! Lumino. Lumino. Ah. 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 Lumino. Lumino. Dolimé. Lumino. Lumino. C'est pour en avoir fait. Merde, je peux rien faire d'autre. J'aurais tellement aimé utiliser un chauffeur. Ah,
Oh, mais quel cheater. C'est le up. Vas-y. Tu as gagné. Il nous manque juste une dard d'haleine. Une dard d'haleine. Mais purée, mais il a déjà lancé un combat, quoi. Mais il est fou, lui aussi. Distance round 2. Après, c'est fini, Draken. Il va nous faire toutes les maps. Tu veux pas aller sur Pandala, vider toutes les maps de... de Kondala, s'il te plaît. Aïe. Trop de délai, bah t'as qu'à attendre qu'on le dise. Il est fou, lui. Tiefada. Tiefada. Je veux bien vous faire le donjon aussi. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit le DJ. Le DJ. Je veux bien faire le DJ aussi. Laisse-moi kiffer la valse avec mon mec. J'ai pas du beurre parce qu'on me prenne la tête. Si je veux une bombe latine, une bombe latine, DJ. Horrible. Mais on a le droit de dire ce qu'on veut. On peut chanter ce qu'on veut. Et ça, c'est beau. De toute manière, on chante faux, donc... Parle pour toi. Bah vas-y, va faire The Voice. Ah, moi je me sens Bilal Hassani, donc tu te calmes. Oh. Bon safari. Libé. Les arbres dans Mario Paper. Oui. C'est vraiment une... c'est vraiment Bilal Hassani. Ouais, y'en a, c'est un peu Bilal. J'ai bugué dessus, mais... C'est juste génial. Il était vraiment bizarre ce jeu quand même. Ouais. Paper Mario Imagiro. Imagiro King. Ouais. Je vais mettre là. Tu l'as fini ? Imagiro ? Non, parce que j'étais en vacances. Du coup, j'ai pas pris ma chute. Comment il nous. T'as vu comment il nous l'étale sur la gueule le fait qu'il est en vacances ? Genre, interdit. J'étais hors de mon domicile. Et moi, j'étais en vacances. Et oui, moi, j'étais en vacances. Et vous, non. Mais... vous trimez ? Et ben, moi, j'étais en vacances. Mais franchement, enfin, tu devrais être content pour lui. Tu dis, voilà, j'ai un ami qui prend du repos, je suis content, il sera en pleine forme, c'est chouette. Non, parce que je suis tellement énervé que moi, j'aimerais bien avoir du repos. C'est de la jalousie. Oui, et alors ? Je l'assume complètement. Et pas bien. Oh. Oh, c'est dommage ça, tiens. Je fais comme ça pendant toute la semaine, je te ferai une story rien que pour toi. Eric. Une story pour dire que t'es en vacances et moi non ? Voilà. Je regarde la nature. Je regarde un arbre. Allez, allez, je fais. Mais tous les jours faut le faire celui-là. Moi je peux le faire, j'ai un arbre devant chez moi. Il fait des petites boulettes. Je suis fatigué, t'es. Mais qu'il est fort ce décaf. Oh mince, mais il reste là-haut là. Oh. Non. Lumi, Lumi, Lumino. Aïe, mais ça fait mal. Juste, enfin, Imagiro, t'en es où dans Paper Mario ? Au paradis. Ah, la pire et phase du jeu, c'est ça ? Et où exactement ? Au début. D'accord, donc no spoil, parce que j'allais dire un truc justement, je ne dis pas alors. Ouais, ouais. Pas taper moi, ouais, j'en ai eu trop marre. Il y a un truc que j'ai beaucoup adoré, mais après, quand j'ai vu ce qu'il fallait faire ensuite, j'ai fait. Je l'ai fait. Non. Sérieux ? Je l'ai fait. T'as réussi ? Oui, au bout du deuxième essai. Pas moi. Mais un enfer. Ah bah oui, oui. J'ai trouvé ça très drôle, comment c'est amené ça, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Mais ça y était dans un autre. Ah ouais ? Oui. Non. Autre chose, tu verras plus tard.
Genre vraiment plus tard. Ok, c'est fait. Ah, ensuite. On descend. Est-ce que c'est genre avec Cornelia Grandpa. Les 100 niveaux là? Non. Ça y est pas, ça. J'étais un peu dessus, déçu d'ailleurs. Ou alors il y est, mais je l'ai pas trouvé. Pas c'est quoi ça, les 100 niveaux? En fait, dans Paper Mario et la porte millénaire, t'avais 100 niveaux à descendre. Et à chaque niveau, t'avais un combat à faire. Ah, pas forcément que dans. Attention, il va y avoir un combat. Fuir lâchement. Oh non! Je peux pas te rejoindre. Expulsé. Elle m'a expulsé. À la map d'après. Attention. Là. Rejoindre Imagiro. Attends, fais fuir lâchement avant. Pourquoi? Parce que je sais pas si tu seras au même endroit que nous et si on devra pas refaire le combat. Pour de vrai? Pour de vrai. Donc, kick Guillaume, qui parle à Cornelia, qui dise fuir lâchement et qui revienne. Mais moi j'ai pas fait fuir lâchement. Mais c'est vrai, normal, t'as lancé le combat. Oh mais je me retrouve à perpète. Mais non, monte d'une main. Non, je suis en dessous. Remonte. Remonte et rentre dans le combat. Je suis à la montagne des Koalaks. What? Mais non, monte d'une case. T'as la montagne des Crackleurs. Je suis vraiment à la montagne des Koalaks. Attends, quoi? Mais c'est pas normal ça. Bon, ben reviens vers nous, prends le zap montagne des crackleurs et on refera le combat. Putain, mais c'est quoi ce Beans? Moi j'étais éjecté juste à la map en dessous. Oui, moi aussi. D'accord. La colle? U. La colle U. Elles sont moches celles-là, mais elles sont moches, putain. Je dirais un ennemi dans Paper Mario. Oui, on dirait un origami. Non, pas origami. On dirait Paper un origami. Mario. Super Paper Mario. Ah ok, d'accord. Donc Cornelia, ok. Et donc là, il faut que je clique sur fuir lâchement. Bah oui, mais elle va te renvoyer à Babelwed. Attends-nous. Mais pourquoi il faut cliquer sur fuir lâchement? Bah c'était pour qu'on soit tous au même niveau. Ah. Merde. Vous pensez que ça marche pas si j'y vais? Bah en fait ça va lancer un combat là si t'y vas, donc attends-nous. Ok. On finit, on va t'aider à le faire parce que tout seul tu pourras pas le faire. Ça m'étonnerait. Oui. Tiens. Non mais y'a Draken qui est à côté là. Ah bon, tu peux pire, fais-le avec lui, oui. C'est lance-le, il va venir avec toi. Et... Attends, je compte 5 secondes. 1. Tu l'entends bien. C'est à moi, je peux rien faire. Cher. Oh, t'as failli te faire one shot. Sinon tu peux parler à Draken dans le chat de Dofus, hein. C'est vrai. T'as pas le délai de 5 secondes. Merci Drake. C'est quoi ça? Oui, il est trop stylé lui. Il était là au combat d'avant. J'ai pas fait gaffe. Est-ce que je peux téléporter le cocon ou pas? Oui. J'ai aimé. J'ai aimé. Bon, je tape Kim. Tu tapes en croix et tu te tais. Allez, bravo. Mais alors, bravo, là. T'as tout cassé le jeu vidéo. Je te prends. Est-ce que ça passe? Oui. Attention, les exécutrices OS, si on est dans un autre cocon. Ouais. Ah mince. Ah oui, elles ont de la vie, ouais. Et ça, moi, je peux toujours rien faire. Au revoir. Il c'est bon, OS. T'as pu faire quelque chose. Thomas, il était dans un cocon, il est décédé. Il est décédé? Il est décédé. Sont dégueulasses. Elles me font peur. Putain, elle est efficace, cette crâne. Mais alors, la nullité ne l'étouffe pas, elle. Oh la vache.
La nullité ne vous étouffe pas, madame. You are gagging from nullité. Eh, regardez, mon tofu, il va gagner tout seul, genre pif. Pouf. Chez. On a gagné. Un parchemin. Bon. Mais j'ai l'honneur de vous annoncer que ça a validé la, le combat. Enfin, moi, ça m'a validé tout, mais c'est moi qui... Oui, mais non, aussi, t'inquiète. Donc là, tu parles à Cornelia Grandpa, Jacques. Mmh. Et on va pouvoir faire le donjon, mais il est peut-être un peu trop tard. Et oui, il reste 15 minutes. Parce que même si on se dépêche avec... Merci Draken. Avec Draken, ça risque d'être complicado, quoi. Puis qu'il y aura un monstre en plus. On peut attendre une prochaine fois. Oui, ça peut attendre une prochaine fois. Bon, en attendant, si vous voulez, j'ai encore des choses sur mon post-it. Hein. Ah. Ah, oui. Le post-it. Non, tu nous le rushes pas. C'est, une note petite réflexion, mais concernant League of Legends. Oula. Il y a un personnage qui s'appelle Poppy dedans. Et je me demandais si elle aimait bien tout ce qui était rap R&B. Parce que Poppy, à l'envers, ça fait hip-hop. Je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas. Je m'en étais jamais rendu compte, tu vois. Est-ce que tu savais que sur le circuit Yoshi... J'en peux plus. Bah, peut-être que tu t'en es jamais rendu compte, hein. Mais et un cousin en fait qui travaille chez Nintendo. Ce cousin en fait, il m'a dit que il y avait un mec qui avait mis un truc sur le circuit Yoshi. Mais c'est très subtil, hein. Tu peux pas, tout le monde peut pas forcément le voir. Arrêtez-moi, sinon je vais partir dans un truc qui va durer 4 ans. Hein. Bah, moi, vas-y, écoute, hein. Hein. On a 10 minutes. Vous voulez qu'on continue qu'à délignement ? Mayo ! Ah. Mayero. Mayonnaise. Oh, qu'à délignement. C'est laquelle ? Je sais plus laquelle on s'est arrêté. Bah, je crois qu'on l'a même pas prise, c'est le problème. Ah, Mayero. Oh. Ouais, je la vois pas moi non plus. On peut aller la chercher. Hein. Oh putain, ça risque d'être le truc avec les remparts pourris là. Il y a des chances. Eh ben, direction Bonta, voir mayonnaise. Ouais, mais peut-être que Draken pourra nous aider. Ouais, ouais. Direction Bonta. Si oui. Il n'est pas de Brakmar. Ah oui, sauf si il est Brakmar, il y a... C'est vraiment le combat de l'enfer, ça, par contre. Hein. Ça existe, des Brakmar? Apparemment, il n'y a que ça sur ce jeu. Mon neveu est non, je suis Bonta. D'accord. Et c'est quelle quête ? Des combats pas très légaux ? Attends, je m'en souviens pas. Ah, lui, Qui est con ! Légo. Oh putain, je viens de comprendre. Désolé. Mais dis donc, c'est toi qui as fait la quête ? Qu'il est con. Oh putain, mais. Il a pété une durite, le type. C'est à quelle map qu'il faut aller, j'ai oublié. Attends, je cherche la quête. Je l'ai faite, ça là, mais. Il faut aller. En moins 28, moins 50. C'est à la taverne du pain chaud. Pour ceux qui veulent. Et pourquoi j'ai pas le. Parce que. Pain chaud. C'est marrant parce que pain chaud. Et c'est du pain chaud. Et après cette taverne, on fait quoi? Tu parles au faut type. Faut aller à droite. Et tu payes. Non, menacé. Oh, moi j'ai payé. Parce que je suis con. Faire quoi dans la taverne? Parle au tavernier. Et la carte est ici.
Et tu vas Voilà, bizarre, là. Non, je pensais que c'était Jake. C'est bon, Jake, t'as parlé au tavernier ? Non, moi je l'ai payé. Bon, bah maintenant tu viens sur la map de droite. Il faut arrêter son commerce pour la question, Thomas. Ah, bah non, bah c'était pas encore Saint-Lan. Tu rentres dans la maison. Oh, c'est Saint-Lan ! Oh non ! Mission de reconnaissance au cimetière, c'est. Attends, non, c'est pas encore Saint-Lan. Je sais plus. Merde, si c'est Saint-Lan ou. Non. Est-ce que si, j'accepte son pot de vin ou pas? Non. Non. Faut fermer son commerce. Dommage. Dommage. Oh putain, l'enfer de la quête, quoi. Moi, je suis bloqué sur mon... Ton écran ? Non, je suis bloqué sur mon Sadida sur cette quête. Vous allez vite comprendre. On va la faire avant de quitter, mais c'est un enfer. Allez, va en mécanique. Demandez. Je vous attends au café. Ah, bah, si nous attend au café. Oh, un café. Oh, j'ai envie d'un café. Oh, un café frappé. Putain. Rien à faire ailleurs. Demandez le détail de la mission, le matériel, fermez les dialogues. Verne du ferrailleur. Je sais plus quelle map c'est déjà, par contre. C'est en moins 19.35. Merci. C'est un enfer, ce putain de combat. Respecter les remparts de Brakmar encore ? Faut aller à Brakmar. Là, c'est un enfer, et crois-moi, Thomas. C'est de la merde en boîte. Moins 17, t'as dit ? Moins 19. Moins 19.35. C'est la pire quête de tout l'humain, de toute l'humanité. Même le Dofusocre à côté, c'est mignon. Au moins. Dofusocre easy comparé à ça. Mais complètement. Ça se fait en un claquement de doigts. Bon, on va les attendre parce que sinon on va se faire éclater la gueule. Ça agresse pas ? Non, ça agresse pas. Mais non, ça agresse pas. N'oubliez pas l'arc, en effet. Pourquoi il dit ça là ? Bah, il faut mettre l'arc. Lol, la vieille arnaque. Ça, ouais. C'est la vieille con, quoi. Si, 19, il agresse. 34. Mais non, il agresse pas, on est à Babelwood les bons. Si, je crois qu'il a une PO. Mec, c'est vieux comme le monde cette arnaque. Mais c'est un ami à nous, il peut pas nous arnaquer, il est débile. Et pourquoi il rentre dans la conversation ? Puis c'est qui lui ? Même dire, je dis quoi. L'autre, il entre dans la conversation, comme ça. Oh, mais... C'est quelle map sur Brakmar, pardon ? En moins 19.35. Atelier des mineurs. Tu vas à l'atelier des mineurs et... Et une fois à droite et une fois en bas. Attends, il est où le Zafi ici ? Et voilà, il s'est fait agresser. Putain. Et quoi ? Je l'avais dit que ça agressait. Ouais. Eh, rejoignez-moi! Bah non, on attend Guillaume. Merde, c'est vrai qu'il est pas dans le groupe là. Bon, bah je quitte. Non, attends, Guillaume est censé arriver. Ils sont tous à l'autre bout du monde. Oui, cette quête est chiante. J'arrive. T'as équipé ton arc, Thomas? Et c'est bon. T'es où? J'ai encore équipé, moi, j'arrive. Je suis sur le chemin. Reste un quart. Je sais, je le vois. Et dommage. Bon bah ciao, Imagiro, bisous.
Oh, ça fait mal. Ah non, mais c'est un enfer, c'est débile. Attends, laisse-moi étudier. Laisse-moi étudier au moins la... Non, faut que je sois vraiment sur la partie... Mais que fait Jake? Je ne sais pas. Je crois que Jake s'est perdu. Je suis à moins 19,34. Il faut être en moins 19,35. Équiper l'arc de mèche Ryorao. Alors, inventaire. Mec Ryo Warrior. Mec Warrior. Et surtout être très loin. Et le groupe, il est plus là. Oui, oui. Il repop dans un quart d'heure. Oh non. Ouais. Bah, je sais pas. Bah, abandonne, on verra bien. Moi, j'aimerais bien savoir la portée, en fait. Ah, mais la portée du... Mais c'est un enfer. Où se mettre pour les toucher? Tout près de... du bas. Je sais même si on peut... C'est tout près du bas. Si, on peut les toucher, j'ai essayé. Si tu peux pas les toucher, comment tu fais pour gagner le combat? Bah, voilà. Bah, avec... avec mon Sadida, j'en ai chié. Mais quand je te dis que j'en ai chié, c'est j'en ai chié. Je l'ai pas fini. Parce que tout seul contre 5, c'est pas possible. Surtout avec la portée débile. Un mec, il dit « Vend le meilleur des Dofus Calyptus ». Ouais, c'est un plus 30, quoi. Ok, on est tous là. Plus on peut se faire agresser. Là, 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 là. Vas-y, agresse-moi. Il va m'agresser en premier. Faut être pour toucher, il faut être à peu près de ces cases là. Voilà. The more you know. C'est l'obligité, sauf que... Non mais ce combat est débile. Quand je te dis qu'il est débile, il est ultra débile. Ce sent Draken pour aller toucher. Oui, Draken il peut faire ce qu'il veut. Mais... Un peu au milieu pour pouvoir faire la coquille, non. Pas ma vie en plus, je me dis ce que je prends. Oh, c'est tout? Je suis très déçu de toi. Easy. Ta race. Viens sur Hush, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Princesse, ta race, mignonne. Ah bah là non, pas mignonne, hein, s'il y a dit ta race. Princesse, que ben, Dieu la roussée. Plus le rosé, là, parce que... Ah, attends, mais là, si je vais rester au bord. Arc. Ok. Oubliez pas maîtrise d'armes. C'est que. D'ailleurs, j'ai pas la maîtrise d'armes. On a pas assez de portée pour les toucher là en fait. Je peux rien faire. Bah oui, bienvenue au club. Mais vraiment rien. Oui, ah ouais. Bienvenue au club. Faut juste utiliser l'arc débile, mais. Mais même t'as avec pas la portée. L'arc, je sais pas. Mais oui, t'as pas la portée. T'es pas encore assez près. Elle est nulle cette quête. Oui. Ouais. Putain, mais je l'ai dit tout ça. Putain. Mais j'apprends, hein, j'ai le droit d'avoir un avis en décalé. Mais vous ne m'écoutez jamais. Et... Quoi, là où je me mets là? N'importe, je m'en branle. Ah mais je peux pas les toucher. Non, mais tu peux pas toucher de là. Si, avec l'arc, normalement, je devrais. Mais non, tu peux pas. Vous me fatiguez, les garçons. Bizarre ça. Moi dans 2 minutes j'arrive. Et je peux pas les toucher. Ah tu vois? Non tu peux pas. Pourquoi le Draken il a pu? Parce qu'il a plus de portée que nous. D'accord. Non mais il est débile ce truc. C'est le pire combat de toute l'humanité. Même pas leur lancer des cailloux, quoi. C'est de la meute. J'aime beaucoup les bruits du lumino.
Lançons-leur des kawottes. Pourri. La vache. Moi je me souviens. Hein. J'ai emporté de 20 à 21, je vois même pas. Je vois même pas où c'est que je suis censé les toucher. Vraiment ou con ce jeu. Le mec pas du tout énervé. Ça. Il va y avoir un endroit. Ah mais voilà, là je peux les toucher. Ah ouais. Tiens. Mets-toi là, Eric. Ok. En effet. Ah, je m'en tue. Ouais, je suis trop le meilleur. Et je mets la kawotte pour l'arroser. Du. Ouais. Thomas, tu peux les toucher d'ici. Non, non. Pas son tour. Quête de merde. Oh, c'est à moi de jouer. Oh non. Et tu peux plus. Bah ouais, mais... Eh merde, bon c'est pas grave. Fallait que je baisse d'une case. J'annonce que j'ai plus mon arc. Hein. Bravo le veau, voté. Quoi? Bah oui, en fait, vers le combat, l'arc se détruit. Il faut aller en rechercher un près de Annick Brock. Entre Brock, je sais plus comment il s'appelle. Mécanique? Ouais. Faire, le faire, en l'ayant équipé. Annick mec. J'espère que ça te l'a validé, parce que sinon c'est chiant. Après, on pourra toujours t'aider. Lol. Bravo. Cher. Je suis le meilleur. Mon tram vient de se dé... Tu l'as eu, 4 mises à jour ou pas, Thomas? 4 mises à jour. Très bien. On retourne voir Mayonnaise. C'est ce que je viens de dire. Et on abandonne cette putain de quête de ses morts. Oui, Draken, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Et c'est sur cette joyeuse note que nous allons nous quitter. On donne pas de planning parce que, ben voilà, vous comprenez très vite que c'est encore le petit problème numéro un. C'est compliqué. Donc sur ce, on vous fait de gros bisous. On peut quand même dire un truc. Non. Un mot de la fin ? Non. Après, mais attendez-vous à ce que dans quelques jours, il y ait du pastrologique qui arrive. Mais j'aime pas cette émission. Non, je déconne. T'as le droit de pas aimer. Hein. Non, je déconne, attends. Le mot de la fin, peut-être ? Probablement d'autres choses à la rentrée aussi, mais ça, j'en parlerai plus tard. Le mot de la fin pour Imagiro. Merci, mec. Oh. Bonne vacances. Bonne vacances, j'ai dit. Oui, bien entendu. J'ai failli cliquer sur arrêter le stream juste en entendant ça, tu vois. Bon allez, bisous les gens. Ciao. Au revoir tout le monde.